reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai vu quelque chose hier, vraiment, ça m'a tellement touché, hein, que je me dis qu'aujourd'hui, il faut que je commence par ça. Il faut que je commence par vous parler de ça. Parce que vraiment, les gens font fort. Regardez à l'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Cette personne que vous voyez là, hein, s'appelle Shakiro. Comme vous voyez sur le tatouage. Cette personne qui est là n'est pas une femme. C'est un homme, mais qui est homosexuel. C'est un homosexuel. Ou bien non. Et cette personne vraiment a un problème avec son pays, avec son peuple. Parce que là-bas, là, on n'accepte pas les homosexuels. Maintenant, elle a fait l'erreur de sortir. De sortir aller là dehors. Habillée en femme. Cette personne a fait l'erreur de sortir habillée en femme. Aller là dehors. La nuit là. Ce que les gens ont fait. Ce que les gens ont fait. Et je ne peux pas vous montrer ça. Non. Mais je vais vous faire écouter ce que les gens disaient. C'était un choc. Mais avant de vous montrer ça, je vais d'abord vous dire ce que cette personne a reçu comme énergie, comme information, lorsqu'elle avait été jetée en prison, parce qu'on l'avait arrêtée récemment. Vous voyez? Et ce que cette personne va vous dire, c'est le choc total. Cette personne va vous dire, par exemple, qu'en prison là-bas, les gens préfèrent les criminels aux homosexuels. C'est-à-dire que c'est comme si quand vous êtes homosexuel, c'est comme si vous êtes le pire des pires, quoi. Et là-bas, les gens même sont prêts même à tuer leurs enfants si leurs enfants devenaient homo. Vraiment. Ce témoignage est vraiment étonnant. C'est vraiment grave. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais l'air grave. Écoutez ça. J'accouche un enfant comme toi. Je vais te tuer. Vous avez entendu ça? Ça, c'est ce que cette personne qui s'appelle Shakiro disait. Ce qu'elle racontait un peu partout. Parce qu'elle était allée en prison, elle a vu. D'abord les chaînes. Et ce que les gens racontaient autour. Vraiment. C'est la preuve qu'au Cameroun, ce n'est pas accepté par tout le monde. Mais si tu sais que ce n'est pas accepté par tout le monde, et que les gens là en prison sont capables de tuer, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois normalement prendre tes mesures. Mais apparemment, cette personne-là a fait l'erreur de sortir hier. Et le résultat est là. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Vous allez voir. Voici le résultat. Le monde aussi est sorti derrière. Les gens prennent en photo, les gens filment. Oui, regardez, c'est la seule personne qui parlait. C'est celle qui est là. Avec son car, ou bien sa copine, je ne sais pas comment dire.
ce derrière-là. Un sale, ça. Mon frère, regarde tout le monde. Et vous avez vu le monde juste là derrière. C'était ce qui s'était passé. On a vu le monde. Et cette personne continuait à marcher. Et juste là, tout allait bien. Jusqu'à ce que des jeunes gens en colère, très en colère, décident de venir la faire sortir du taxi qu'elle venait d'arrêter. Ils l'ont fait sortir du taxi. Commencer à déshabiller comme c'est pas possible. Seigneur, maintenant que l'on déshabille et que l'on fait sortir la personne du taxi et que elle était maintenant dehors entre les mains, vous n'imaginez pas le tabassement de ça. Tabasser comme c'est pas possible. Jusqu'à ce que cette personne même elle le sente dans la bouche, soit même non, c'est pas possible. Voilà, ça se passe ici, hein, ça se passe ici. J'ai vu ça, je me suis dit, mais qui? Vraiment, affaire grave, hein? Mais c'est grave. Les images sont là, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir. Enfin, vous pouvez les voir, mais c'est chaud. Je viens juste vous faire entendre ce que les gens étaient en train de dire quand ils frappaient Shakira. Écoutez. Vous avez entendu ça? J'entendais. Tue-le d'abord, tue-le d'abord. Tue-le. Tue-le. Est-ce que vous avez entendu ça? Tue-le d'abord, tue-le d'abord, tue-le d'abord, tue-le d'abord. Tue-le. Ça veut dire que c'est ton frère. Ce que cette personne vous rendait comme témoignage. Écoutez encore. Accoucher d'enfants comme toi, je vais le tuer. Est-ce qu'il y a 10 ans en prison? Et on a vu que il ne rigolait pas. On a vu que les gens ne rigolaient pas. Ceux qui étaient en prison l'ont dit. Mais ceux qui sont dehors, eux ils ont agi. Eux ils ont agi. Ils ont attrapé la personne. Bon, ok. Tu sais toutes ces choses, mais pourquoi est-ce que tu sors? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout ton possible pour éviter beaucoup de choses? D'histoire et que tu les défies jusqu'à ce que tu t'habilles en talon pour qu'est-ce qu'on voit encore un audio où on te voit en train de dire que tu cherches à faire le buzz. Ah vraiment, on ne sait vraiment plus quoi dire. Africain, quand tu le soutiens, il te déçoit après. Africain, quand tu le soutiens, il te déçoit. C'est pourquoi moi, je préfère être dans la vérité, c'est mieux. La vérité ne trahit jamais. Ah! Maintenant, réfléchissons un peu. Dites-moi, mes frères et sœurs. Est-ce que les gens ont bien fait de l'avoir frappé? Vraiment, frapper un homme parce qu'il a péché, ou bien frapper une femme parce qu'elle a péché,
Non, c'est pas une bonne affaire. Moi, je peux pas soutenir ça. Porter main à quelqu'un ne va jamais changer quelque chose dans ce qui se trouve dans son esprit ou dans son état d'âme. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Si l'homosexualité, c'est un péché, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Mais Shakira aussi, il n'avait qu'à ne pas les provoquer. Ici, nous ne sommes pas en Europe. Si en Europe, là-bas, là, vous pouvez le faire, même jusqu'à aller danser dans le palais du président de la France. Vraiment ici, là. Même pour entrer dans un cabaret, un petit coutou-goudron. C'est pas possible. Donc, souvent, renseignez-vous bien. Ou bien ne faites pas semblant. Ou bien encore, ne cherchez pas à provoquer les gens. On peut bien venir dire, ah, vraiment, vous avez mal fait de frapper la personne. Et que non, faut pas faire, même si cette personne est en erreur. Mais, quand vous allez le provoquer, quand on voit des vidéos, des audios où on entend ce genre de choses du genre, je veux juste faire le buzz, je veux pousser les gens, je veux même, non, c'est grave, c'est vraiment grave. En tout cas, moi, la chose qui m'a le plus choqué, c'est la manière dont on frappe la personne. Cette image, que je pense à ça, je me dis vraiment, Jésus a souffert. Jésus a souffert vraiment. Parce que l'homme, quand les hommes décident de se mettre ensemble pour pouvoir frapper quelqu'un, le résultat, c'est pas bon. Donc Jésus a souffert. C'est Jésus qui a souffert. La souffrance, c'est ça. Mais vraiment, c'est choquant. Oui, parce qu'il ne faut pas frapper les homos. Hein. Non. Priez plutôt pour eux. Mais les homos, vous aussi, ne vous connaissez pas. Hein. Si vous regardez bien le pays où vous êtes d'abord. Hein. Si vous voyez que ça ne vous arrange pas, allez dans un autre pays. Hein. Vous c'est accepté. Mais, il y a un pays là. Où là-bas, quand vous allez. Hein, là-bas, là, rien à accepter, hein, n'accepte pas ça là-bas. Les démons sont là pour vous accuser. C'est quel pays? C'est le pays de la mort. Le pays de la mort là-bas, encore meurt là. Ce qui se passe là-après, c'est un règlement de compte. Les démons qui vous ont poussé à devenir homo là, ce sont les mêmes qui vont utiliser homo là pour laver la vie. Vous voyez homo là? Attendez. C'est ça, homo. Ah, c'est quoi? C'est devenu nil, maintenant c'est devenu nil. Ok, d'accord. C'est ça. Voilà, on est venu là pour la vie. Oh non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de go là dehors. Il y a beaucoup de go. Ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux aussi. Ouvrez les yeux. Je pense que vous êtes malade. Moi, c'est ce que je pense. Mais je ne peux pas vous blâmer, je ne peux pas vous condamner, je ne peux pas vous frapper. Non, ni vous tuer. Non. Tout sauf ça. J'ai vu récemment le tombeau d'un homo qui est devenu un pasteur. Ça m'a choqué. Vous pouvez changer. Je crois que vous pouvez changer. Je crois. Je prie que Dieu transforme toutes les personnes qui sont homo. Que Dieu transforme toutes les personnes qui sont dans cette histoire. Que Dieu vous touche.
Parce que péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Vous êtes homo, on dit que vous péchez. Nous, là, si on fait, on ment, ou bien on vole, on a péché. Péché, là, c'est péché. C'est même, on est au même niveau. Dieu n'a pas dit que, ah, comme toi, tu n'es pas homo, et que toi, tu es nil, donc ton péché sera inférieur. Non. Nous serons tous dans la même histoire. C'est pourquoi il faut qu'on se respecte. Il ne faudrait pas qu'on se frappe. Il ne faudrait pas qu'on se frappe. Qui n'a jamais commis d'erreur? Il a dit quand on était petit. Ah, on commet des erreurs seulement. Et nos parents viennent nous corriger. Ils nous corrigent aujourd'hui sur une erreur A. Demain, on fait une erreur B. Et ils continuent à nous aider, à nous corriger. Et au fur et à mesure qu'ils nous corrigent, on découvre. On découvre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce que les gens font, comment ils ont frappé la personne. Et je ne suis pas non plus d'accord avec le fait que les gars aussi soient sortis et ça a vraiment soulevé les gens. Si c'était pour faire le buzz, vraiment ça, tu as failli laisser la vie. Faut plus faire ça. Faut plus faire ça. Non. Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour avoir le buzz? Pour qu'on puisse parler d'eux. Aujourd'hui, tout est mélangé. Ça fait que pour soutenir quelqu'un à 100%, je ne peux plus le faire. Parce que vous allez soutenir quelqu'un, demain, il va vous décevoir. Moi, je préfère soutenir la vérité. Seule la vérité ne déçoit jamais. La vérité ici, c'est que vous avez mal fait de frapper la personne parce que vraiment, ce n'était pas nécessaire. Et le problème aussi, c'est que aussi, chacun vous aussi est un peu exagéré. Mais tu connais, ici, l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Je vous l'ai dit. Chez nous, là, c'est pas en Europe. En Europe, si tu veux, mais faut te marier à un des gars. Ils s'en foutent. Là, chacun regarde son nez. Et puis chacun nettoie son nez. Son propre nez. Mais en Afrique, surtout quand tu es populaire, tu es connu, que tu es populaire, vraiment, c'est pas bien. Tu vas apprécier ça un moment. Tu vas vraiment apprécier. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce qui m'a touché. Hier, j'ai vu ça hier, c'est-à-dire le dimanche, là, avant de m'endormir. C'est là que j'ai vu ça. Je suis choqué. Trop choqué. Mais je ne peux pas. Ça, je ne peux pas être. Je ne peux pas partir pour Shakiro, ni pour être parti pour les gens qui ont frappé. Je suis dans la vérité. Respectons-nous les uns les autres. Nous n'est pas fait, il ne faut pas commettre des erreurs, mais il ne faut pas aussi aller provoquer les gens. Si toi-même tu allais les provoquer et puis te frapper, c'est toi-même qui as chiché. Là, Dieu n'est même pas avec toi. Le monde vraiment va mal. Le monde là va mal. Bon, j'ai pris mon calme pour essayer de vous expliquer. C'est un sujet très sensible. Très très sensible. Quand on en parle même. On se demande même où placer les mots. Tu ne sais pas si tu dois dire le ben, tu dois dire là. Tu dois dire. Là même à ce niveau même déjà, même tu es là pour le perdu. Vous voulez que je dise quoi encore? Pour réagir, dites-moi ce que vous en pensez. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment mon cœur, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez quoi que le Seigneur. C'est parti.